Bonjour les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous une information que mon prof de français a dit. Lire à haute voix vous oblige à ralentir, à vous concentrer et à réfléchir au contenu. Quand on lit pour soi-même, on prononce et on entend les mots dans sa tête. Et aujourd'hui on va commencer par lire quelques histoires. Il était une fois, dans un pays très lointain, un jeune garçon qui s'appelait Aladdin. Il vivait avec sa mère dans un petit village et la vie était très dure pour eux. Un matin, un étranger arriva au village. « Je trouverai peut-être ce que je cherche », marmonna-t-il dans sa barbe. Il regardait les enfants jouer près de leur maison. « Je crois que j'ai enfin trouvé », dit-il. L'étranger s'adresse alors aux enfants. « Pouvez-vous me dire où habitent le jeune Aladdin et ses parents ?» demanda-t-il. « Mais, c'est moi Aladdin !» répondit l'un des petits enfants. « Pourquoi ?» Mon garçon, dit l'étranger, je suis ton oncle, le frère de ton père. Conduis-moi chez toi, tu seras gentil. Aladdin vivait tout près de là. Il montra le chemin à l'étranger. L'homme salua la mère d'Aladdin et lui dit, je suis le frère de votre mari. Je reviens d'un long voyage. « Mon frère est-il là ?»« Hélas, mon mari est mort !» répondit la mère d'Aladdin. « Cela fait 5 ans !»« Comme c'est triste !» dit l'étranger en essuyant ses larmes. Après quelques instants, il demanda à Aladdin s'il pouvait lui rendre un service l'après-midi même. « Pourquoi faire ?» demanda Aladdin. L'oncle lui expliqua que, enfin, son père et lui avaient caché un objet dans une caverne qui se trouvait dans la montagne près du village. En souvenir de son frère, il aurait bien aimé de le retrouver, mais il était devenu trop gros pour entrer dans la caverne. Il promit à Aladdin un bel anneau si ce dernier l'aidait. « C'est d'accord, je vous aiderai, » dit Aladdin. « Allons-y !» Arrivés à la montagne, ils découvrirent l'entrée de la caverne. L'oncle, effectivement, ne pouvait s'y faufiler, mais Aladdin était juste à la bonne taille. « Voici l'anneau que je t'ai promis, » dit l'oncle. « Que dois-je rapporter ?» demanda Aladdin. « Une vieille lampe, c'est tout, » dit l'oncle. « Elle n'est pas neuve, elle n'est pas belle non plus, mais j'aimerais bien la reprendre. » Aladdin se glissa dans le trou et découvrit la caverne remplie de trésors et de pierres précieuses qui brillaient de mille feux. « Il y a des trésors fabuleux ici !» cria Aladdin. « Je sais !» répondit l'oncle. « Mais je désire seulement la vieille lampe !»« Comme c'est étrange !» pensa Aladdin. « Alors qu'il y a tant d'or et tant de pierres précieuses, il ne désirait qu'une vieille lampe !»« Ah ! La voilà !» Aladdin la prit et se dirigea vers la sortie de la caverne. « Tu as trouvé la lampe ?» demanda l'oncle. « Oui !» répondit Aladdin. «
Donne-le-moi et ensuite je te ferai sortir, dit l'oncle. Fais-moi sortir avant, dit Aladdin. Je veux la lampe, répondit l'oncle d'un ton fâché. Pourquoi ? Demanda Aladdin. Elle est vieille et capposée. Il y a un trésor fantastique. Et toi, tout ce que tu désires, c'est cette lampe. Donne-moi la lampe, cria l'oncle. Non, avant, aide-moi à sortir, dit Aladdin. Jamais, s'écria l'oncle. Reste dans la caverne, reste avec le trésor. Aladdin entendit un coup de tonnerre et l'entrée de la caverne se referma. Il était prisonnier. Il avait la lampe et le trésor, mais il ne pouvait plus sortir. Cet homme n'est pas mon oncle, se dit Aladdin. Il s'assit, découragé, et se mit à pleurer. En séchant ses larmes, il frotta l'anneau que son soi-disant oncle lui avait donné. Il y eut un éclair fulgurant, et au milieu d'un grand nuage de fumée, un personnage portant un turban apparut brusquement. « Bonjour, mon maître. Que puis-je faire pour vous ?»« Qui êtes-vous ? » demanda Aladdin. « Que voulez-vous ? » ?»« Je suis le génie de l'anneau, » répondit le personnage. « Fais un vœu et il sera exaucé. »« Je veux retourner chez moi, » répondit Aladdin. En un éclair, Aladdin se trouva devant la porte de sa maison. Il tenait toujours la lampe dans sa main. Il raconta son aventure à sa mère. Il se mit à frotter l'anneau de nouveau et sa mère faillit presque s'évanouir en voyant le génie. « Peux-tu nous apporter à manger ?» demanda Aladdin au génie. « Tout de suite !» dit le génie. Et aussitôt des mets délicieuses et exotiques apparurent sur la table. Aladdin et sa mère dévorèrent toutes ces bonnes choses et pour la première fois depuis très longtemps, ils allèrent se coucher le ventre bien rempli. Petit à petit, Aladdin, avec l'aide du génie, améliora sa vie et celle de sa mère. La maison devint confortable et ils ne manquèrent plus de rien. Un soir, la mère d'Aladdin décida de nettoyer la lampe. Je vais la frotter pour la faire briller, dit-elle. Elle commença à frotter la lampe avec un chiffon quand soudain ils entendirent un violent coup de tonnerre et furent avondés par un éclair dont un gros nuage de fumée. Apparut un génie beaucoup plus gros que le génie de l'anneau. Maître, je suis à votre service, dit le génie. La mère d'Aladin resta sans voix. C'est cela que l'homme recherchait, pensa Aladin. Il demanda alors au génie de leur construire une maison en dehors du village et de l'y transporter. Sa mère et lui. Vos désirs sont des ordres, lui dit le génie de sa grosse voix. En un clin d'œil, Aladdin et sa mère se retrouvèrent dans leur nouvelle maison, confortablement installée. J'ai du mal à m'habituer à tous ces changements aussi rapides,
dit la mère d'Aladin. Le génie de la lampe était beaucoup plus puissant que le génie de l'anneau. Peu après, Aladin et sa mère eurent des serviteurs et un beau carrosse qui les menait partout où ils le désiraient. Un jour, Aladin dit à sa mère, « Il est temps de me marier, je veux épouser la fille de l'empereur. » La princesse, cria sa mère, mais tu es fou, tu ne peux pas te marier avec la princesse. Je l'aime, lui répondit Aladin. Tu iras voir l'empereur et tu lui porteras un cadeau de ma part en lui demandant la main de sa fille. Aladin finit par convaincre sa mère. Elle partit pour la cour de l'empereur avec un panier rempli de fruits. Mais ce n'était pas n'importe quel fruit. Il était fait de pierres précieuses. L'empereur fut touché par ce subtil cadeau, mais refusa de donner la princesse en mariage à un fils de paysage. Le lendemain, Aladin se rendit au palais avec 6 superbes chevaux blancs. « Non !» répondit de nouveau l'empereur. Aladin continua d'apporter des cadeaux tout plus beaux les uns après les autres. Mais la réponse demeurait toujours la même. La princesse qui voyait Aladin tous les jours en tomba amoureuse. Elle finit par l'avouer à son père. « Soit, dit l'empereur, puisque c'est ainsi, il lui faudra surmonter une épreuve. S'il réussit, vous pourrez vous marier. » Lorsque Aladin arriva le lendemain au palais, l'empereur accepta enfin mais à une seule condition. « Je voudrais que tu construises un palais pour ma fille, » dit l'empereur. « Ce palais devra avoir 4 coupoles, 2 tours, des escaliers en marbre, un jardin merveilleux et un pont en cristal qui le reliera à mon palais. »« Très bien, » dit Aladin. « Ce n'est pas tout, » dit l'empereur. « Le palais doit être construit cette nuit, si tu veux épouser ma fille. » Tout doit être prêt au lever du soleil. Aladin retourna chez lui et fit venir le génie de la lampe. Il lui demanda ce que l'empereur avait exigé. « Vos désirs sont des ordres, » déclara le génie. Le lendemain matin, l'empereur découvrit. Accolé à son balcon, un pont en cristal menant à un palais merveilleux. Il brillait au soleil levant. Tout était exactement comme il l'avait demandé. Il était plus qu'étonné, mais la princesse fit en sorte qu'il tînt sa promesse. La princesse et Aladin se marièrent et s'installèrent dans leur nouveau palais. Pendant ce temps, dans les montagnes, le magicien qui s'était fait passer pour l'oncle d'Aladin entendit parler des merveilleux cadeaux que l'empereur avait reçus d'un petit paysan et d'un fabuleux palais construit en une nuit. « Cela ne peut être que la lampe magique, » se dit le magicien. Il descendit dans la vallée à la recherche de la lampe. Un jour, pendant qu'Aladin était à la chasse, la princesse entra dans les appartements d'Aladin et vit une lampe sur la table. « Voilà une lampe bien cabossée !» se dit la princesse. Aladin a dû la faire tomber. Au même moment, un serviteur entrait pour dire à la princesse que des marchands ambulants venaient vendre leurs marchandises dans le grand vestibule. Je pourrais peut-être offrir une nouvelle lampe à Aladin, se dit-elle. Il y a plusieurs marchands et l'un d'entre eux attira plus particulièrement son attention. J'échange des lampes usées contre des lampes neuves. C'est ce qu'il me faut,
dit la princesse et elle partit chercher la vieille lampe. À son retour de la chasse, Aladdin trouva l'empereur furieux et inquiet. La princesse, le palais et la lampe avaient disparu. Tu dois retrouver ma fille, je te l'ordonne, cria l'empereur. Aladdin ne savait plus quoi faire. Sans le génie de la lampe, il était impuissant. Mais il portait toujours l'anneau. Il le frotta doucement et le génie de l'anneau s'éleva au milieu d'un nuage de fumée. « Maître, que puis-je faire pour vous ?» demanda le génie. « Ramène-moi mon palais et tout ce qu'il y a dedans, » lui dit Aladdin. « Cela m'est impossible, » dit le génie. « Le palais est l'œuvre du génie de la lampe. Alors, emmène-moi à l'endroit où se trouve mon palais, » dit Aladdin. « À votre service, » dit le génie. Et en un instant, Aladdin fut transporté dans un endroit étrange où se trouvait la princesse. Aladdin, le magicien m'avait dit que tu étais mort, s'écria la princesse. Comme tu le vois, je suis bien vivant, dit Aladdin. Nous devons récupérer la lampe car c'est la seule façon de revenir chez ton père. C'est impossible. Le magicien garde toujours la lampe sur lui, dit la princesse. Nous attendrons qu'il s'endorme et nous prendrons la lampe, décida Aladdin. Il frotta son anneau et demanda au génie une potion pour faire dormir le magicien. La princesse versa la potion dans le verre du magicien. Celui-ci s'endormit très vite tandis qu'Aladdin s'emparait de la lampe et la frottait sans perdre de temps. « Remets le palais où il était, » dit Aladdin au génie de la lampe, « et que ce méchant magicien erre à jamais dans le désert brûlant. »« Vos désirs sont des ordres, » répondit le génie. La princesse et Aladdin se retrouvèrent alors sur le pont au cristal. Tout reprit sa place et l'empereur les accueillit avec joie. Heureux de les revoir, ils n'entendirent jamais plus parler du magicien qui erre à jamais dans le désert brûlant. Un jour, maman chèvre dit à ses 7 chevreaux, « Je vais dans la forêt, prenez bien garde au loup. » Peu de temps après, on frappe à la porte. « Ouvrez-moi, mes enfants, je suis votre maman. » Mais les chevreaux reconnaissaient le loup à sa grosse voix et ils se souviennent de ce que leur a dit maman. Il ne faut pas ouvrir au loup. Tu n'es pas notre maman, s'écrient les chevreaux. Sa voix est douce et toi, tu as une grosse voix. Tu es le loup et nous ne t'ouvrirons pas. Le loup court alors chez l'épicier. Il achète un grand pot de miel qu'il avale d'un trait pour adoucir sa voix. Puis, il revient frapper à la porte en s'écriant. « Ouvrez-moi, mes enfants, je suis votre maman. » Mais les chevreaux aperçoivent la patte noire du loup à travers la fenêtre et ils lui répondent. « Nous n'ouvrirons pas. Notre maman n'a pas de patte noire comme toi. Tu es le loup. » Le loup va alors trouver le boulanger et lui dit. « Je me suis brûlé la patte. Enduis-la-moi de pâte à pain. » Le boulanger accepte. Le loup court ensuite chez le meunier.
Il entre dans le moulin, ouvre un grand sac de farine, bien blanche, et plante sa patte dedans. Le loup retourne pour la troisième fois frapper à la porte de la maison des chevreaux et il leur dit « Ouvrez-moi mes enfants, je suis votre maman. » « Montre-nous d'abord ta patte, » répondent les chevreaux. Le loup montre sa patte à travers la fenêtre. Voyant qu'elle est blanche, les chevreaux, rassurés, ouvrent la porte. Mais, oh surprise, c'est le loup qu'ils voient entrer. Effrayés, les chevreaux courent se cacher aux quatre coins de la maison. Le premier se réfugie dans le lit. Le deuxième sous la table, le troisième dans le poêle, le quatrième dans le buffet, le cinquième dans l'armoire, le sixième dans la cuvette, en faïence et le septième dans la pendule. Hélas, le loup découvre bien vite les cachettes. Affamé, il attrape les chevreaux et, sans plus attendre, il les avale les uns après les autres. Il les trouve tous, sauf le plus jeune, qui s'est caché dans la pendule. Une fois rassasié, le loup sort de la maison, s'annonce sous un arbre dans la prairie pour déguerrer et s'endort. Quand maman chèvre revient de la forêt, un bien triste spectacle l'attend. La porte d'entrée est grande ouverte. La table et les chaises renversées. La cuvette en faïence, en morceaux. Et les coussins déchirés. Elle cherche en vain ses petits. Elle les appelle les uns après les autres. Mais aucun ne lui répond. Quand enfin elle appelle le plus jeune des chevreaux, une toute petite voix se fait entendre. « Maman, maman !» Je suis cachée dans la pendule. Aussitôt, maman chèvre court délivrer son petit. Sorti de sa cachette, il lui raconte que le loup a dévoré tous ses frères et sœurs. Dans la prairie, maman chèvre aperçoit le loup allongé sous l'arbre, qui ronfle bruyamment. En s'approchant, elle remarque que, sous la peau bien tendue du ventre, quelque chose remue et s'agite. Mon Dieu ! Pense-t-elle. Mes petits qui l'ont englouti, seront-ils encore en vie? Vite, elle prend ses ciseaux et il ouvre le ventre du loup. Aussitôt, la tête d'un petit chevreau apparaît et bientôt les six petits bondissent hors du ventre. Tous sont en vie, car le loup les a avalés tout rond, sans même les croquer. Maman chèvre, heureuse d'avoir retrouvé tous ses petits, décide de punir le loup. Elle dit à ses chevreaux, « Allez chercher des pierres que nous mettrons dans le ventre du loup pendant qu'il dort encore. » Et hop, tout se met au travail. Puis la chèvre recoue le ventre avec du fil, sans que le loup se rende compte de quelque chose. À son réveil, le loup se dirige vers le puits pour aller boire. Les pierres qu'il a dans l'estomac lui ont donné grand soif. Mais lorsqu'il se penche au-dessus du puits, le poids des cailloux l'entraîne et plouf, il tombe dedans et se noie. Les sept chevreaux sautent de joie et se mettent à danser une farandole endiablée en chantant à tue-tête. « Vilain loup qui s'est noyé, ne pourra plus nous croquer, délivré de notre ennemi. » Chantons joyeux dans la prairie. Il y a très, très longtemps, le soleil brillait sur un monde sauvage fantastique et des marins volcaniques bouillonnants et fumants. La famille Siméon, la toute première à avoir inventé une machine à remonter le temps, avait décidé d'aller étudier l'ère des dinosaures. Dans cette aventure, ils sont retournés
80 millions d'années en arrière, à l'ère du Crétacé supérieur, dans la partie du monde qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Ayant travaillé dur, professeur Pablo Simeon décida de prendre un jour de congé et d'emmener les grands jumeaux, Alfie et Acha, et les petits jumeaux, Tulip et Ted, à la plage. « Amusez-vous bien !» dit professeur Pénélope en leur disant au revoir. « Nous allons passer un très bon moment et je vais apprendre à nager à Acha, » répondit Pablo. « Excellent !» dit professeur Pénélope. « Il est important de savoir nager. »« Je sais déjà nager !» rechigna Acha. « C'est juste que c'est plus drôle de nager quand on a un pied par terre. »« Super !» dit professeur Pablo en arrivant à la plage. « Qui veut m'aider à construire le château de sable avec les douves les plus profondes au monde ?» Les jumeaux aidèrent professeur Pablo à construire un château gigantesque avec les douves les plus profondes au monde. Ensuite, ils entrèrent tous dans l'eau. Alfie, Ted et Tulip s'amusaient à barboter dans l'eau avec professeur Pablo. « Tu ne nages pas comme il faut !»« Acha !» dit Tulip. « Si, je nage correctement !» répondit Acha. « J'aime mieux nager en touchant le fond d'un pied, c'est tout !»« Il est important de savoir nager, Acha !» renchérit professeur Pablo. « Regarde, tu fais comme ça. Je vais rester juste à côté de toi pour te rattraper si tu commences à couler. » Malgré tout leur encouragement, Acha refusa de ne plus toucher le fond du pied. Soudain, dans l'eau, derrière la famille Simeon, apparut une étrange créature avec un très long cou. « Regarde, papa !» s'écria Ted en montrant l'animal du doigt. « Quel est ce dinosaure ?» Je n'en ai jamais vu de pareil dans les livres sur les dinosaures. C'est parce que ce n'est pas un dinosaure, mais un plésiosaure, dit professeur Pablo. Les plésiosaures ne sont pas des dinosaures. Ce sont de grands reptiles marins. Celui-ci, c'est un éclasmosaure. Ouah ! S'écria Alfie. Les éclasmosaures ont le plus long cou que j'ai jamais vu. Il fait plus de la moitié de son corps. Oh non ! Dit Tulip. Il vaudrait peut-être mieux sortir de l'eau. « Ne vous inquiétez pas, nous sommes en sécurité en eau peu profonde !» déclara professeur Pablo. « L'eau n'est pas assez profonde pour qu'un élasmosaure puisse s'y aventurer. De plus, il se nourrit principalement de petits poissons osseux et ne s'intéresserait donc pas à nous. » Ils purent donc admirer le magnifique élasmosaure virer dans les eaux profondes et plonger pour attraper des poissons. Il nageait lentement, avec grâce... En se servant de ses quatre nageoires comme de rames, nager sans toucher le fond semble finalement assez amusant, pensa Acha en regardant le plésiosaure glisser dans l'eau. D'accord, papa, dit Acha. Si tu me promets de m'attraper si je coule, je vais essayer de nager comme l'élasmosaure. Acha agita les bras et les jambes comme des nageoires avec professeur Pablo à ses côtés. Prêt à la secourir, si elle commençait à couler. Acha essaya d'imaginer qu'elle était un plésiosaure en faisant de grandes éclaboussures. Et elle enleva son pied du fond et nagea sans couler. « Elle nage !» s'exclament Tulip, Ted et Alfie en chœur. « Elle nage !» dit professeur Pablo. « Je nage !» s'écria Acha fièrement en faisant des ronds dans l'eau. Quel bel après-midi, ils eurent tous. Les jumeaux Simeon et professeur Pablo passèrent un excellent moment à nager en eau peu profonde avec l'élasmosaure, non loin de là dans les eaux plus profondes. Quand ils finirent par sortir de l'eau, Acha nagea presque aussi bien qu'un plésiosaure. Eh bien, dit professeur Pénélope lorsqu'ils furent de retour à la maison. « Avez-vous rencontré des dinosaures à la plage ?»« Nous avons vu un éclasmosaure, » dit Ted. « Un éclasmosaure n'est pas un dinosaure, c'est un plésiosaure, » ajouta Tulip. « Les éclasmosaures ont de très longs coups, » renchérit Alfie. « Ils ne peuvent pas aller sur le sable, car ce sont des animaux marins. L'éclasmosaure m'a appris à nager, »
déclara fièrement Acha. Professeur Pénélope parut un peu surprise. Tu es la première personne à avoir appris à nager avec un élasmosaure, dit professeur Pablo en souriant. Il y a très longtemps, à l'ère des dinosaures, le ciel était parsemé d'étoiles. La température commençait à tomber sur les fougères et les buissons après une longue journée torride et tous les membres de la famille Siméon dormaient profondément. Enfin, presque tout. Je suis contente quand tu y aies passé une bonne journée de repos, Pablo, dit professeur Pénélope. Tu en avais bien besoin. Professeur Pablo dormait déjà profondément et ronflait bruyamment. Sa seule réponse fut « Construire des châteaux de sable gigantesques avec les douves les plus profondes au monde et jouer avec des plésiosaures peut être fatigant pour un professeur. » Fais rayer sur les plésiosaures. Élasmosaures. Les élasmosaures n'étaient pas des dinosaures, mais des plésiosaures. De grands reptiles marins. Ils étaient les plus longs des plésiosaures, pouvant mesurer jusqu'à 14 mètres de long. Leur cou faisait plusieurs de la moitié de la longueur de leur corps. Ils se servaient de leurs quatre nageoires comme de rames.